Vous pouvez vous imaginer ma joie lorsque j'ai pu contacter une vraie vedette du monde de l'implication des communautés, du marketing, de l'équité et de la diversité dans les arts. Elle est conseillère et mentor, professeure, auteure, avocate, vice-présidente de l'implication de la communauté au New Jersey Art Center. Et voici l'une des choses qu'elle a dit qui me tient à cœur. Je crois fortement, elle croit fortement, moi aussi j'y crois, mais c'est elle qui a dit ceci. Je crois fermement que les arts sont les seuls véhicules purs que nous avons dans cette société, la société de nos jours, qui vont au-delà des barrières culturelles et qui permettent aux gens d'aller au-delà de leurs différences. Ce sont des mots de Donna Walker Kuhn. Ce sont des mots de la personne qui va animer notre prochaine session. Et maintenant, je regarde autour de moi, je suis très nerveuse et je me dis, Donna, s'il vous plaît, viens à l'avant. J'ai eu le grand plaisir de souper avec Donna hier soir. On a eu une conversation extraordinaire et je vous promets que vous allez vous amuser, être provoqué au cours de la prochaine heure. Merci beaucoup. Bienvenue au Canada, Donna. Je suis très heureuse d'être de retour au Canada. Je me promène entre Toronto et Ottawa pour des conférences différentes. Donc, je suis toujours très heureuse d'être ici. Comment allez-vous ce matin? Quelle présentation extraordinaire de Daniel. Vraiment une très bonne présentation. Merci. Et une belle opportunité pour moi de continuer cette conversation. Et je veux aussi répondre à certaines des questions parce que je voulais absolument y répondre. Donc, dans ma présentation, je vais y répondre parce que j'ai certaines réponses à certaines des questions. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un survol de l'implication des publics. Je vais vous parler de mon expérience, que j'ai appris au cours des 40 dernières années, et je vais partager avec vous comment je crois que nous pouvons progresser. Alors, moi, je travaille aussi dans le ballet. J'ai fait du travail dans ce domaine-là également. Et je comprends que les défis de pouvoir mobiliser nos publics et de rendre les arts accessibles aux États-Unis, je pense que notre plus grand défi, c'est pas la race et l'ethnicité, je pense que c'est la classe. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais essentiellement, ce sont des gens qui ne croient pas qu'ils méritent d'être là ou qu'ils ont les ressources. Et comment est-ce qu'on peut façonner le tout? La première chose qu'on doit faire, c'est être honnête. Donc, j'aimerais aussi remercier Catherine qui m'a contactée et bien sûr qui m'a invitée à cette magnifique conférence. Comme Catherine a mentionné, j'ai une expertise assez variée. Mais ce qui est au centre de tout ce que je fais, c'est que j'ai grandi comme danseuse. Je vois le monde par une lentille des arts, peu importe le fait que, oui, j'ai été avocate, oui, j'aime être administratrice et auteure, mais tout ça, je vois tout ça par la lentille de mon art et comment voir le mouvement de la vie, la beauté de la vie, la passion de la vie est au cœur de tout ce que je fais. Donc, c'est important que je partage ceci avec vous. Donc, ce processus de mobiliser les publics, c'est vraiment un chemin de vie. Ça demande de la compassion, une compréhension de la diversité des cultures, et j'adore l'idée que vous déballez la diversité de bien des façons. Pour moi, la diversité, c'est comme un oignon. On enlève des couches et on espère qu'on va inclure autant de types d'humains différents que possible. Et bien sûr, comme j'ai mentionné plus tôt, la classe et d'autres distinctions qui également nous séparent, comme la religion et les styles de vie. Et c'est aussi important de prendre ça en considération. Donc aujourd'hui, je crois que nous avons l'opportunité de changer notre lentille culturelle. Et c'est ce que je pense que nous faisons tous individuellement, bien sûr. Dans les orchestres, on regarde nos publics, mais c'est vraiment un cheminement personnel, un parcours personnel. Nous pouvons tous faire des changements. Ce n'est pas à eux, c'est moi.
c'est nous. Alors, comment est-ce que je peux changer ma lentille culturelle pour être quelqu'un qui pourra faire progresser la chose? Donc, cette convergence des cultures dont on parle, ça va au-delà de toutes ces différences. Et ça nous permet de voir qui nous sommes et comment on se complémente entre nous, comment on célèbre les autres. J'apprécie également la reconnaissance des Smith de la communauté autochtone. C'est quelque chose que nous ne faisons pas aux États-Unis et j'ai vraiment apprécié cela. Lorsque je vais en Australie ou ici au Canada, j'apprécie cette reconnaissance du territoire. Je crois que c'est un moment très important de pouvoir reconnaître où on en est et l'héritage derrière tout cela. Donc, merci d'avoir inclus ceci dans le programme. Et donc, je vais vous parler de trois sujets principaux. Le développement des publics, l'innovation et le mentorat. Et donc, lorsqu'on regarde cette question, comment est-ce qu'on peut mobiliser les publics? Comment est-ce qu'on peut bâtir des auditoires qui représentent les différentes communautés où on se retrouve? Je crois que les réponses sont dans le leadership dynamique. Oh, je devrais faire avancer, mais... Oh, c'est moi. Bon, je voulais m'assurer. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine planche? Ah, bon. Alors, c'est moi qui fais avancer. D'accord, parfait. Ah, oh, toi, tu fais le côté français, je comprends. Je comprends, il faut porter attention. Les réponses sont dans ce que vous voyez à l'écran ici, le leadership dynamique. Rien ne peut bouger sans ça. Il doit y avoir quelqu'un qui est en charge, qui dit voici ce qu'on va faire et ce qui est encore plus important, d'avoir le budget pour qu'on puisse mener à bien. Bon, les ambassadeurs culturels, ça coûte de l'argent. Donc, on veut être très clair. C'est pas juste d'être gentil ou d'aller souper avec quelqu'un, ça prend un budget, ça prend une stratégie de marketing. Ça nous prend les outils pour exécuter notre stratégie de façon efficace. C'est pour ça que ça nous prend du leadership dynamique. Nous avons aussi besoin de leadership dynamique parce que quelqu'un doit dire, bon, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ceci, mais on va aller dans cette direction quand même. Lorsque j'ai commencé à travailler au théâtre public en 1993, George C. Wolfe m'a appelé pour que je dirige un département. Il m'a dit, tu peux l'appeler ce que tu veux. Donc, on l'a appelé affaires communautaires. Et ma description d'emploi à l'époque, c'était de créer un public qui ressemblait à une station de métro. Donc, George a été très clair. Il a dit que c'était la nouvelle direction qu'il voulait emprunter avec le théâtre public. Joe Papp était décédé et maintenant George était en charge. Et il y avait des gens qui hésitaient, qui résistaient. Ils n'étaient pas à l'aise. Un membre du conseil a dit, en fait, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va juste faire avoir des pièces d'écrivains noirs, c'était une mauvaise compréhension. On a dit, oui, on va avoir un auditoire qui va ressembler à une station de métro, mais on ne perd rien. On ajoute plus de chaises à la table. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer, mais ça prend quelqu'un qui est en charge qui va dire ceci, qui va se prononcer. Alors, c'est pour ça que le leadership dynamique est important. Partenariat efficace. Les partenariats, pour moi, sont au cœur de toutes les stratégies efficaces. Il doit y avoir une compréhension que nous sommes égaux, premièrement, on ne sert quiconque. Moi, j'ai un grand problème lorsque j'entends ce mot « sous-servi » parce que je ne sais pas qui est sous-servi. Est-ce que vous êtes sous-servi? Est-ce que c'est moi? Qui est en dessous? Donc, je ne me sers pas de ce mot-là, mais je dis qu'il y a des individus, des communautés qui n'ont pas eu accès aux arts et de ne pas avoir accès parce qu'ils n'ont pas été invités, peut-être qu'ils ne savent pas c'est où, peut-être que c'est trop dispendieux, pas que c'est qu'il faut que ce soit gratuit, mais il faut qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils vont voir. Donc, cette idée de, vous savez, de partenariat, ça devient très important. Nous sommes égaux. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Parce que franchement, on parle de la genèse de cette conférence et l'un des thèmes, c'est de mobiliser les publics diversifiés, les communautés que nous voulons mobiliser, sentir bien. Ils ont choisi leurs éléments culturels, mais ce n'est pas vous. Donc, on doit être très clair. Ils sont corrects, ils vont bien. C'est nous qui voulons les contacter pour essayer de représenter plus de communautés. Donc, cette dynamique, lorsqu'on parle de bâtir des partenariats, c'est essentiel. De ne pas y aller comme travailleur social, de sauver une communauté, de régler un problème social. Non, on n'est pas un problème. On n'a pas de problème. Donc, c'est très important de s'ancrer dans un contexte philosophique avant même de faire le travail. On doit rafraîchir un peu, se demander qui est-ce que je suis, quelles sont mes croyances. Donc, lorsque j'ai commencé au théâtre public, c'est ce que je devais faire parce que franchement, j'étais du côté sud de Chicago. Je ne sais pas si vous connaissez Chicago, mais on sait
que c'est composé plutôt de Noirs qui sont provenus du Sud pendant les années 50 et 60. Donc, mon monde était c'est la culture noire des États-Unis. Ensuite, j'ai travaillé au Dance Theater de Harlem. À l'époque, c'était une compagnie, une troupe de ballet plutôt noire. J'ai travaillé là pendant 9 ans et lorsque George m'a appelé, puis il a dit « station de métro », j'ai dit « quoi? Attends une minute. » C'est des gens qui ne me ressemblent pas. Comment est-ce que je peux leur parler? Qui sont-ils? Quels sont leurs défis? Donc, j'ai dû faire ma propre recherche. J'ai dû me préparer moi-même et j'ai dû me demander la question. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-ci, tu ne connais personne qui ne te ressemble pas? Tu n'as pas la capacité d'impliquer des communautés différentes. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Et si on est dans ce travail, c'est quelque chose qu'on doit corriger. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai embauché des gens qui ne me ressemblaient pas. Les employés représentaient la communauté que je voulais impliquer, des Latinos, des gens de l'Asie et des Noirs. J'ai lu des livres pour voir quelles sont les nuances culturelles. Et ensuite, je me suis assurée que lorsque je faisais la conception de campagne pour mobiliser ces nouveaux publics avec le travail qu'on faisait, que j'avais d'autres gens qui regardaient ce que je faisais. Parce que ma lentille est basée sur mon expérience culturelle. Donc, comment est-ce que je m'assure que je suis respectueuse envers les Latinos ou les Américains asiatiques? Donc, bien sûr, ce sont des termes politiques et on s'en sert. Mais en fait, ils ne sont pas corrects d'un point de vue politique. Donc, c'est le genre de préparation que nous devons faire avant même de commencer à penser à comment, quelles sont les stratégies et la trousse d'outils dont vous avez parlé. Une autre chose qui est importante, vraiment, c'est les ambassadeurs culturels. Ça peut ressembler à vos partenaires, mais les partenariats, pour moi, c'est à long terme. Les ambassadeurs, ça peut être un groupe d'individus, on les appelle les influenceurs, qui peuvent nous ouvrir les portes, qui peuvent dire, bon, mais en fait, porte attention à cette personne, ils sont vraiment cool, ça va bien fonctionner. Des fois, ça nous prend ça. Peut-être qu'on n'est pas la personne la plus efficiente pour rentrer dans une salle et commencer à avoir une conversation concernant notre travail. Peut-être que ça vous prend quelqu'un que les gens connaissent qui pourra, en fait, préparer le terrain pour vous. Alors, c'est là où les ambassadeurs peuvent être très utiles. Le travail que j'ai fait dans le domaine de la danse, et en fait, j'adore la musique classique, mais la danse, c'est mon premier amour. Donc, prenez le pas personnel. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est ce que je connais. Mais dans le domaine de la danse, ce que j'ai appris, et les défis dans la danse, bien sûr. Vous savez, le ballet classique, il y avait beaucoup de défis de travailler avec le Dance Theater of Harlem. Arthur Mitchell m'a embauché pour que j'implique les publics américains parce qu'ils ne venaient pas voir nos spectacles. On se promenait partout aux États-Unis, on était en tournée. Et M. Mitchell s'inquiétait, il disait, où est-ce qu'ils sont? On est dans des grandes villes, à Los Angeles, à Chicago, où est le public? Et on a compris que, premièrement, ils n'étaient pas invités. Deuxièmement, les présentateurs ne savaient pas comment les impliquer. Et troisièmement, les publics ne comprenaient pas le travail. Qu'est-ce que je m'en vais voir? Donc, on a dû traiter de chacune de ces questions et c'est ce qu'on a fait au fil du temps. Et à la fin de mon mandat, on avait augmenté nos publics de 45 % partout au pays. On avait des auditoires, des publics plus diversifiés, mais c'était, on a vraiment fait face à ceci. Le ballet classique, c'est pour qui? Qui a créé cela? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et on n'avait pas Missy Copeland dans les années 80 et 90, donc on n'avait pas le facteur Misty qui avait vraiment transformé l'industrie. Donc, c'était un effort afin d'éduquer la communauté, d'amener les danseurs dans la communauté, de parler de, bon, quelle est l'histoire de Gisèle? Le Lac des Cygnes, Cendrillon, vous savez, les grands ballets et le travail néoclassique, bien sûr. Mais il y avait un processus en place et ça ne survient pas du jour au lendemain. Je sais qu'un bon nombre d'entre vous, vous comprenez ça, c'est un parcours de longue haleine. Donc, les ambassadeurs sont très importants. Ils sont sur le terrain, c'est une des choses qu'ils font. Et bien sûr, c'est la communication. Comment est-ce que nous partageons notre travail? C'est pas une question de mettre ça en termes plus communs, vous savez, classique versus bâtir les communautés. Ça n'a rien à voir avec cela. Mais je pense qu'on peut beaucoup mieux démystifier le travail. Parfois, il y a des présomptions que tout le monde sait de quoi on parle parce qu'on vit dans ce monde. On connaît tout, ça fait partie de notre ADN. Vous savez, on est né avec des instruments dans nos mains, des notes dans le cerveau. Mais non, c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui a eu cette expérience. Donc, on doit penser à comment est-ce que je peux démystifier ce travail afin que ce soit accessible et que ce soit amusant. Il y a de la joie dans les arts.
Donc, on doit s'assurer qu'on communique cela. De démystifier, c'est là où on peut s'amuser, on peut jouer, on peut décider à quoi ça ressemble exactement. L'une des façons dont j'ai fait cela, l'un de mes clients, c'est comme Catherine a dit, c'est le New Jersey Performing Arts Center qui est situé à Newark, au New Jersey, une ville qui est 79 % noire. Et un grand centre, on est un très grand centre, on a un budget de 45 millions de dollars, un auditorium de 3000 sièges et bien sûr on présente tous les arts. On présente la musique classique, l'orchestre. Lorsque j'ai commencé là en 2012, on présentait environ 8 performances classiques par saison. Maintenant, c'est descendu à 3 et c'est à cause des publics. C'est à cause que nous voyons une diminution dans le nombre des publics. On choisit des artistes qui réussissent bien. Mais ce que j'ai appris concernant la musique classique à New Jersey, c'est que lorsqu'on prend le temps de démystifier le produit, c'est là où on commence à avoir de la diversité dans le public, au lieu d'attendre nos abonnés de saison aux plus vieux, au public plus âgé. Donc, ça a été vraiment une très belle expérience. Deux choses que je veux partager avec vous concernant ceci, en réponse à la question concernant quand est-ce que vous avez vu la magie, les étincelles. On fait des préludes. Je suis certaine que vous en faites, vous, également, des expériences réintroductoires à la performance avant la performance, donc avant le spectacle. Disons, si le spectacle était 20 heures, ben on a un prélude à 19 heures. On s'en sert, nous, de façon stratégique. L'une d'entre elles, c'est avec une école de musique qui s'appelle Elizabeth Morris School. Et les élèves, bien sûr, sont excellents. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de vraiment passer à un niveau plus bas. Ce sont de très bons élèves de musique, de première année à la huitième année, et ils font une prestation dans le lobby, juste la musique classique dans le lobby, et c'est avant la production complète. Donc, ce qu'on a fait, on a monétisé leur expérience parce que, comme j'ai mentionné, le budget est essentiel. Donc, afin que les élèves puissent faire des spectacles dans le lobby, on leur demande de vendre un minimum de 50 billets. Mais c'est facile parce qu'on a 100 élèves qui ont des parents, des grands-parents, des cousins, des oncles et des tantes. Donc, habituellement, ils vendent plus de 200 billets. Donc, il y a une valeur que l'Institut peut voir immédiatement. On peut investir dans cette expérience, mais c'est la joie de voir ces jeunes musiciens jouer de la musique classique avec tellement de fierté. Et alors, on est dans le lobby, comme j'ai dit, et ensuite, ils vont tous à l'intérieur pour voir le spectacle. Donc, qu'est-ce qui fait la différence ici? Ces élèves se sont connectés avec les artistes sur la scène. Ils jouent la même musique. Les parents comprennent. Mon enfant, qui est à l'école, qui est maintenant dans le lobby, et un jour, il va être sur la scène principale. Je vais porter attention. Donc, il y a une connexion là, qui se fait. Et on fait ceci au moins 3 fois par année avec cette école. Une autre chose qu'on a faite, c'est avec... on veut démystifier le mot « classique ». Parce que je pense que qu'il y a beaucoup de connotations, dépendamment de dans quelle classe on est ou quel genre de bagage économique on a. Donc, le mot « classique », immédiatement, on peut dire « bon, c'est quelque chose que je comprends pas, je sais même pas c'est quoi, puis en fait, je vais même pas regarder. » Ou bien, est-ce que c'est plus classique d'après votre culture? Donc, qui définit le mot « classique »? Qui en est responsable? Donc, il y a un collège avec lequel on travaille, Harley Dickinson College, et on a une relation à long terme avec eux. Et l'une des choses que je fais avec les élèves de ce collège, c'est qu'on a des séminaires de temps à autre pour démystifier les arts. Donc, on s'est dit, bon, parlons de la musique classique. Donc, on a fait une discussion panel sur qu'est-ce que la musique classique? Qu'est-ce qui est classique dans les arts? Quels sont les arts classiques? Regina Johnson, qui est maintenant directrice artistique du Dance Theater of Harlem, était parmi nous. Et ensuite, il y avait un des joueurs de hautbois de l'Orchestre symphonique du New Jersey. Les deux ont travaillé récemment sur le Lac des Cygnes. Donc, on parlait du Lac des Cygnes. Ils ont parlé de leur perspective. Virginia en a parlé en tant que ballerine. Qu'est-ce que c'est de faire ce rôle? Et pourquoi est-ce que c'est classique? La musique, Tchaïkovski, la chorégraphie. Pourquoi est-ce que ça perdure dans le temps? Et le musicien en a parlé comme artiste. Pourquoi est-ce que c'est classique, l'approche au travail, l'histoire et la compréhension de l'héritage. Donc, les élèves qui ont été exposés à ceci se sentaient tellement habilités. Donc, lorsqu'ils sont arrivés au New Jersey Performing Arts Center pour voir l'orchestre symphonique jouer le Lac des Cygnes, ils étaient tous bien impliqués.
Et on le sait. Ils ont dit, on sait, on connaît cette pièce, on connaît les mots, les paroles, on connaît l'histoire. Et donc, les musiciens nous ont demandé qui était dans le public. Ils étaient vraiment éveillés, ils semblaient vraiment se concentrer, ils étaient vraiment impliqués avec la performance. Donc, c'était des élèves qui avaient été préparés. Donc, ce sont deux initiatives. Il y en a une autre que je veux partager avec vous. Vous connaissez sûrement Margaret Garner. Donc, j'ai pu travailler sur cette production lorsque l'Opéra de New York l'a présentée il y a quelques années. Margaret Garner, c'est un opéra concernant une femme esclave qui a tué sa fille au lieu de la laisser se faire élever en tant qu'esclave. Donc, bien sûr, c'est un sujet qui est très lourd. Et City Opera a appelé ma troupe, ils ont dit, ma compagnie, puis ils ont dit, bon, ben, on aimerait avoir un public noir pour cette pièce. Et lorsqu'ils l'ont décrit, j'ai dit, bon, mais c'est lourd, c'est une femme qui tue son enfant. C'est difficile. Mais ensuite, je me suis dit, bon, non, des sous-titres en plus, les Américains n'aiment pas les sous-titres. Quoi? 3 heures? Oh mon Dieu! Comment est-ce que je vais faire ceci? Mais j'adore les défis. Et il y a plusieurs choses qui sont survenues qui ont mené à la réussite. On a reçu une lettre du directeur de marketing à la fin. Je pense qu'il y a eu 7 prestations. Ils ont dit qu'on avait 37 % de Noirs dans notre public. La plus grande proportion à jamais dans l'histoire de notre opéra à New York. Alors, la façon dont on est arrivé à ce chiffre, bon, on a fait plusieurs choses. On a regardé le paysage. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut démystifier Margaret Garner? C'est qui cette femme et comment est-ce qu'on peut atténuer le meurtre un petit peu et regarder plutôt le contexte social derrière sa pensée, sa façon de penser et les circonstances dans lesquelles elle se retrouvait. Donc, à New York, et la meilleure partie, c'est que ils nous ont donné 6 mois pour travailler là-dessus. Vous savez, lorsqu'on pense à comment on va transformer le public, c'est pas « bon, mais je viens de recevoir des pamphlets, on a une prestation, on a un spectacle dans une couple de semaines, on va appeler du monde ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça nous prend du temps. Donc, 6 mois, c'était un bon départ. On a tiré parti de tous les concerts à l'extérieur, les festivals à l'extérieur à New York. On a amené Margaret avec nous. On avait une affiche de 3 pieds avec nous. On la mettait à côté d'une table et il y avait certains du matériel. Là, il y a des gens qui venaient nous parler concernant Margaret. Alors, on a fait d'elle une personne qu'on voulait connaître. Je vais vous parler de Margaret. C'est une femme extraordinaire. Ah oui, c'était difficile, mais quand même, c'est une décision qu'elle a prise parce que... Donc, les gens ont commencé à penser à cette femme. Ils se sont dit, bon, Margaret Garner, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Donc, on a commencé à vraiment traverser ces ponts. Et on a fait 8 ou 9 événements du genre cet été-là. Et en même temps, vu qu'ils nous donnaient un budget de publicité, on a pu prendre des publicités dans les médias américains, puis étaient choqués parce que la plupart du temps, les shows de Broadway s'attendent à ce que les médias des Américains noirs le fassent en échange. Comment est-ce qu'on peut payer avec l'échange? Ça nous prend de l'argent comptant. Donc, souvent, il y a une perception que la communauté noire est tellement reconnaissante du fait que Broadway les contacte et ils vont être heureux d'en faire la promotion. Et j'ai été heureuse que New York City Opera n'avait pas cette attitude, mais en fait, ils ont écrit un chèque qui m'a permis d'approcher les médias et ils ont été tellement surpris qu'ils ont triplé la valeur de notre campagne. Donc, au lieu d'avoir une campagne sur 2 semaines, on a eu une campagne sur 6 semaines et on a eu des publicités dans les journaux et à la radio. Et en même temps, on parlait de Margaret un peu partout où on allait. La troisième chose qu'on a faite, il y a toujours un gala de la première soirée, de la première. Alors, un traiteur très populaire à New York, Spoonbread, elle a été invitée pour le gala d'ouverture. Donc, c'est la première fois qu'une compagnie d'Horace Noir avait fait ce genre d'événement lors de Lincoln Center. C'était énorme. Les gens étaient ravis. Ah, oh, Spoonbread va faire la bouffe. Ils ne savaient même pas où c'était quoi le spectacle. C'est simplement que Spoonbread offre la nourriture. Donc, je m'en vais là. Donc, compte que les gens avaient différents accès aux arts. C'est pas toujours la porte d'entrée. C'est pas parce qu'on fait cette nouvelle œuvre et on a découvert des œuvres cachées, Beethoven, etc. C'est pas tout le monde qui a cette connexion-là, mais ils avaient une connexion avec Spoonbread. Donc, ça nous a donné un levier additionnel. Et en plus, j'ai découvert un petit brin d'informations extrêmement important. Donc, il y avait beaucoup d'enfants, parce que ça avait lieu sur une plantation. Et je sais que les enfants ont des parents qui soignent soin d'eux. Et je sais que ces gens veulent avoir une maison pleine. Donc, on en profite. C'est là que j'ai mis mon chapeau de marketing, que j'enlève jamais de toute façon.
Donc, j'ai demandé la permission. Est-ce que je peux parler aux parents lors d'une des répétitions? On me donnait la permission. J'ai dit, écoutez, parents, je suis certaine que vous voudrez avoir une salle comble de vos amis et famille pour voir le début de vos enfants au centre Lincoln. Donc, ils ont dit oui. Alors, à ce point, tout ce qu'il me faut de vous, c'est votre liste de numéros de téléphone et de noms d'amis, et je vais m'occuper du reste. Donc, ils m'ont faxé. J'avais un formulaire que j'avais créé. Et à l'époque, c'était encore des fax. Ils m'ont envoyé ces formulaires. J'avais quoi, 60, 70 de formulaires. J'ai pris le téléphone et j'ai dit, ah, Jane, c'est vous que votre amie Anne. Et elle, ses enfants vont dans une opéra au centre Lincoln. Elle dit, tu vas amener un groupe de 20, je veux juste avoir ton numéro de carte de crédit. Alors, j'ai fait ça pour tout le monde. Et toutes ces étapes ont mené que de 37% des gens. Donc, c'est un luxe, c'est pas tout le monde qui a ça, mais je vais partager avec vous qu'est-ce qui est nécessaire pour être en mesure de diversifier, cultiver nos auditoires. C'est plus que l'idée, c'est juste qu'un dialogue. C'est plus qu'un dialogue, ce sont des gestes concrets qu'on doit poser. Alors, voilà, c'est simplement la programmation. C'est ce dont exprimait Morgan aussi. C'est critique lorsqu'on parle de bâtir ces auditoires dont on rêve. Donc, je vais partager quelques réflexions de certains des leaders dans le domaine. Donc, vous connaissez tous le musée métropolitain d'art. Ils ont plus que 5 millions de visiteurs par année. Donc, la personne numéro 2 au contrôle, c'est Sandrew Jackson Dumont. Et j'ai interviewé pour mon blog pour avoir ses idées sur l'engagement communautaire pour le musée. Et qui offre ou qui présente l'histoire de tout le monde, quoi. Et une chose qu'elle a dit, c'est qu'il y a des gens qui sont confus par le processus. Soit ils pensent que c'est du développement, soit ils pensent que c'est très simple, donc ça n'exige aucune ressource, aucune recherche, ou confondent avec du marketing. Le développement honnête, c'est le tissage de relations soutenu par le marketing. Donc, c'est beaucoup plus que d'amener les gens à partir d'une exposition, mais c'est tisser des liens importants, significatifs aux gens. Et un sous-produit, c'est la participation, la présence. Mais c'est pas la seule raison, mais c'est que les amener à comprendre l'œuvre. Donc, elle ajoute au Metropolitan, cet engagement nous permet de mieux former des expériences plus inclusives basées sur des données concrètes, plutôt que de présumer ce que les gens veulent ou ont besoin. Tout le monde veut se sentir accueilli lorsqu'il traverse le seuil de ce qui était perçu comme étant une notion d'exclusivité. Et donc, notre travail, notre mission est d'aller au-delà de l'accueil. On veut rencontrer les gens où ils sont. Et là, je dis où ils sont, je veux dire dans le sens plus large de la phrase. On veut aller au-delà d'ouvrir les portes. On veut que les gens sachent qu'ils ont les clés. Et je pense que c'est puissant comme déclaration. Donc, je vous demande de vous poser la question. Quel effort faites-vous pour dans cette direction? Comment faites-vous pour franchir le seuil? Qu'est-ce que vous faites pour aller où se trouvent les jeunes? Donc, on peut penser à ces magnifiques programmes et ces performances, mais qui, en fait, vont cogner ces portes pour inviter ces gens qu'on cherche? Et ça, c'est le genre d'effort que nous cherchons tous. Et encore une fois, lorsque j'étais dans le domaine public, parce qu'on pensait à cette nouvelle description de tâches et faire que l'histoire, c'était un peu comme un arrêt de métro. Ma première journée, c'était un bureau vide et le Rolodex que j'avais porté avec moi. Il n'y avait aucune ressource dans le domaine à l'époque. Donc, lorsqu'on réfléchit à la façon de commencer, la façon que j'ai commencé, c'était avec les pages jaunes. Et ça, c'était avec Google, avant Google. Certaines personnes d'entre vous, vous n'avez aucune idée de ce dont je parle. Comment vivre dans un monde sans Google? Mais il y avait une époque où on utilisait d'autres sources. Alors, les pages jaunes, qui est un directoire de toutes les entreprises et personnes, bon, j'ai simplement commencé à faire des recherches et j'ai sorti des noms et des adresses de n'importe quoi qui semblait être intéressant, qui n'était pas un restaurant ou un endroit qui n'aurait pas une connexion quelconque avec l'art. Alors, on a nommé notre campagne, on appelait ça des explosions culturelles et on a appelé chaque personne. Je dis bonjour, je m'appelle Donna, je suis au théâtre public et nous avons une nouvelle initiative qui s'appelle l'explosion culturelle. Est-ce que je peux vous en parler, visiter? La majorité des gens, ben oui, venez-vous-en. J'avais aucune idée de ce que j'étais pour dire. Mon historique, c'était le ballet. Je ne connaissais rien au sujet du théâtre américain. J'avais Shakespeare, des trucs comme ça, mais en mesure d'avoir une conversation avec quelqu'un au sujet du théâtre américain, aucune
Rien, mais ce que je connaissais, c'était la chair de poule lorsque le rideau s'ouvre et tout ça. Et c'est ça que j'ai parlé avant, jusqu'à temps que j'apprenne davantage. Donc, aussi très important d'être généreux lorsqu'on demande aux gens de faire quelque chose pour nous. Donc, je portais toujours un cadeau. Donc, on avait beaucoup de marchandises qui ne se vendaient pas parce qu'on ne vendait pas des billets. Alors, je prenais un t-shirt, une tasse de café ou quelque chose du genre, et je commençais la rencontre avec ça. Donc, au nom du théâtre public, Public Theater, merci beaucoup de pouvoir vous rencontrer. Cette phrase a elle-même ouvert leur cœur. Et je le voyais. Je voyais la lumière s'illuminer dans les gens. Donc, j'attends quoi, plutôt que ils veulent quoi, ces gens-là? Donc, on parle toujours d'appropriation, d'appréciation. C'est un sujet très sensible. Donc, voilà, vous voulez quelque chose qui est à moi. Et je sais que c'est ce qu'ils pensent. Donc, l'idée de leur donner un cadeau, ça adoucit, si on veut, cet impact. Alors, on a commencé à discuter. Ma première question était, est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre? Oui ou non? Est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu? Est-ce que vous reviendrez? Oui ou non? Donc, ce qu'on a appris des 300 visites que nous avons faites, on n'avait rien d'autre à faire, quoi. Donc, c'était notre travail, de vraiment bâtir cette... Donc, ce qu'on a appris, c'est plusieurs choses. Un, ils voulaient avoir une présence au théâtre public qui ne connaissait personne. C'est une raison pourquoi ils n'allaient pas. L'édifice magnifique. Vous savez, parfois, c'est une perception que des endroits magnifiques veut dire que je ne peux pas rentrer si je viens d'un groupe socio-économique. Il y a d'autres gens qui sont très à l'aise parce que c'est la façon qu'ils ont grandi. Alors, il y avait ce sentiment. Il y avait aussi un sentiment que, mais attends, moi, je veux faire quelque chose sur votre scène aussi. Alors, je savais que je ne pouvais pas adresser toutes ces questions lors de la rencontre, mais ce qu'on disait, c'était merci beaucoup et on va faire un suivi. Le suivi était critique. Et on a fait ça et avec le temps, on a bâti des programmes institutionnels qui répondaient à ces questions qui sont toujours imbriquées dans l'ADN du théâtre public depuis ce temps. Donc, c'était une étape très importante d'aller au-delà des barrières, de ne pas se fier sur le courriel pour bâtir une relation, un partenariat. Ça, c'est vraiment vie face à face. C'est l'engagement que vous devez faire si c'est l'objectif que vous voulez réaliser ou atteindre. Donc, ce sont les choses sur lesquelles on travaillait. Sanja ajoute aussi, il n'y a pas de date fin pour la diversité de travail d'inclusion. Donc, il n'y a pas de destination. Nous allons travailler de façon constante parce que le monde évolue entre l'immigration, migration, population qui change, des familles mixtes, quoi. Il y aura toujours de nouvelles définitions à quoi ça ressemble. Donc, assurons-nous qu'on est à la même page essentiellement sur juste ces bases. Alors, ce ne sont que quelques points que je voulais soulever. On a parlé de développer la culture de l'équité et d'inclusion. Je pense que Sanja en a parlé aussi parce que ça a beaucoup à rapport avec quelles sont mes idées sur ça et comment est-ce que j'éduque mes collègues à ce sujet. Chacun d'entre vous travaille dans une organisation différente. C'est bien, mais vos collègues, est-ce qu'ils comprennent la notion? Alors, l'engagement communautaire est aussi à l'interne. Donc, il faut faire le même travail à l'intérieur de la boîte où nous travaillons, tout comme on fait à l'extérieur. Il faut s'assurer que tout le monde comprenne leur rôle, parce que tout est critique. La réceptionniste, le personnel de billetterie, les gens à l'interne, ils font tous la responsabilité, ils ont tous la responsabilité de traduire à quoi ça ressemble. Donc, à New York, disons, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, certains du personnel à New York avaient l'attitude un peu de hey, « je te fais une faveur, je suis travaillé aujourd'hui, là ». Donc, c'était pas accueillant et c'était pas le message que j'essayais de transmettre comme d'accueil. Donc, plutôt que d'essayer de réhabiliter, si on veut, toutes ces personnes, on les a foutu à la porte et on a embauché des gens qui voulaient travailler, qui avaient ce sentiment de mission. Ah, c'est super! Oui, on veut que ce soit un arrêt de métro ici, là. Donc, c'est votre dû, dit les gens. Je devais vous assurer que planifiez, vous allez à des conférences et toutes ces choses que vous pensez, toutes ces choses que vous voulez réaliser. Qui est avec vous? Qui est à votre gauche ou à votre droite? Parce que ça doit être les gens avec lesquels vous travaillez aussi. Et je pense que c'est très critique, ça aussi. Alors, ce sont certaines des tactiques que je voulais partager avec vous. Il y a d'autres points aussi. Donc, je vais parler de certains des points que je voulais partager avec vous, qui incluent l'innovation. Alors, des choses que je trouve vraiment intelligentes sont
C'est l'intersection entre l'art, la culture et le monde des affaires, parce que l'art, c'est des affaires. Je ne crois pas qu'il doit y avoir de la pauvreté parce qu'on travaille dans le domaine des arts. Je ne crois pas qu'il faut accepter. Je ne crois pas que atteindre notre budget, c'est suffisant. Donc, je me retire de cette conversation et on parle des arts et des buts non lucratifs. Donc, il faut, c'est notre cadeau au monde qui veut dire qu'on vit avec moins d'argent. Non. Je pense qu'on peut être plus intelligent en percevant l'art comme une affaire. Ça ne veut pas compromettre l'art, mais c'est plutôt de faire de l'argent. Et pourquoi pas? Alors, il y a quelques projets. Oui, exactement. Vous n'êtes pas assez avec la pauvreté. Pour moi, but non lucratif ne veut pas dire pauvreté. Mais si on n'y croit pas, ça va continuer. Donc, je vous encourage de commencer à changer votre perception de la chose. Alors, voici quelques projets art commerciaux que je voulais partager avec vous. Un de ces projets se trouve à Harlem, commandité par Harlem Greater Arts Council. Et il présente beaucoup de festivals culturels, dont un qui s'appelle Harlem Week, la semaine Harlem, qui est 3 mois sur 100 événements, mais ils ne changeront pas le nom. Donc, Harlem Week, souvenez-vous, 100 événements, 3 jours. Donc, la Chambre de commerce a un partenariat avec la Havane, les artistes à Havane, à Cuba. Donc, ils amènent, ils performent, et nous, on fait un échange avec eux, donc d'autres artistes vont à Cuba. Et une chose qu'on fait, que je trouve très intelligent, qui informe, si on veut, la communauté de Harlem au sujet des Cubains, c'est ce programme qu'on appelle Harlem Havane. Et donc, ça consiste de quoi? C'est des designers de mode, des artistes culinaires, des artistes visuels, etc., dans un échange culturel qu'utilisent les entreprises et les compagnies dans Harlem pour la promotion et l'accès. Donc, on commence avec les restaurants. Tous les restaurants veulent préparer de la nourriture cubaine. Donc, on demande à chaque restaurant dans une zone géographique de Harlem d'avoir un repas ou un plat cubain sur leur menu. Donc, on peut faire la promotion comme étant la semaine. Voici les restaurants qui saluent la cuisine cubaine. On demande à des boutiques mode de présenter des modes, la mode ou le design de Cuba. Et certains de ces designers viennent de Havane. Donc, un autre point de conversation. Et les hôtes, il y a des ateliers de danse cubaine. Donc, ça devient, si on veut, une façon de regarder les différentes œuvres. Et on termine l'événement en une célébration, un gros gala, à l'hôpital d'Harlem. Et c'est un excellent partenariat culturel. Ils ont un grand hall d'entrée et on amène les artistes, la musique, la nourriture des différents restaurants. Et c'est une célébration extraordinaire. Donc, on rejoint qui? Donc, les gens dans la mode, les gens qui mangent au restaurant, les gens qui dansent et le personnel et certains des patients, mais en général les personnels de l'hôpital. Et maintenant, tous ces gens-là se rassemblent pour vivre cette expérience culturelle cubaine. Et ce sont des façons qu'on peut faire avancer le travail en utilisant nos partenaires communautaires. En même temps, on est allé au restaurant Whole Foods. Whole Foods, c'est un partenaire culturel extraordinaire avec mon expérience. Donc, je vous encourage, si vous ne travaillez pas avec eux, de poser la question et leur dire « New York a dit! » Alors, ce que Whole Foods ont fait, ils ont un bar à sandwich et ont transformé ça en un bar à sandwich cubain. Donc, plutôt que du blé, ils ont demandé d'autres genres de sandwich. Et avec ça, donc, vient toutes les affiches. Donc, chaque chose dont je parle vient une composante marketing. Donc, tout va avoir des médias sociaux, l'impression, des affiches, des pubs radio, tout ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on change la culture et amener les gens à voir ou percevoir. Donc, c'était un exemple que je voulais partager avec vous. Et je crois aussi, lorsqu'on parle de l'innovation, on regarde d'autres programmes, dont un avec lequel je travaille, qui est Staten Island. Vous connaissez, c'est un arrondissement, si on veut, de New York. Donc, ils ont une communauté artistique très active. Donc, le conseil a décidé qu'ils voulaient développer leurs organisations artistiques. Ils voulaient que ça soit plus impliqué dans la diversité. Donc, c'est une initiative sur 3 ans qu'on a commencé en éduquant la communauté artistique à quoi ça ressemble l'équité, l'inclusion
et diversité. Et on a eu une série d'ateliers, d'en parler, de déballer, remballer. Et après ça, on avait un incitatif financier pour ceux qui ont fait une demande et qui avaient un plan durable. On travaillait avec eux comme consultants pour la deuxième année, les aidant à développer leur plan. Et c'est là où nous en sommes. Et ça a été un changement important dans la façon que les arts, la perception des arts à Staten Island. Parce que la première réponse était, mais pourquoi faire ça? On s'en va bien, les gens viennent nous voir, puis pas besoin de faire ça, ce genre de diversité. Et notre réponse était, mais est-ce que vous avez des libérés, des gens du Moyen-Orient, des Mexicains, est-ce qu'ils viennent voir vos performances? Non. Et ça vous trouvez pas que ça soit intéressant? Non. Pourquoi? Ben, regardons pourquoi c'est important. Que c'est important. Et on en parle. Donc, la réalité, c'est que voici à quoi ressemble l'Amérique aujourd'hui. Donc, il faut faire partie de ça si vous représentez les arts. Et donc, c'est une autre initiative existante. Donc, développement mondial ou global. Donc, on sait que c'est une conversation ici au Canada, mais je voulais que vous sachiez que mon travail me mène partout au monde parce que tout le monde cherche la même réponse. Qu'importe où je vais, que ce soit en Afrique du Sud, l'Australie, Moscou, Croatie, il y a une question partout au monde. Comment est-ce que je puisse engager ma communauté qui est différente de moi? Et c'est la question numéro un dans le monde des arts, partout au monde. Ben, qu'importe où je vais, c'est la question. Donc, clairement, il y a une observation de cette tendance, ce mouvement de différentes personnes et aussi un besoin d'avoir des tactiques et une philosophie, une stratégie d'y répondre. Donc, certaines des choses qui m'inspirent, particulièrement en Afrique du Sud, ils ont développé une initiative basée sur l'acte de vérité consolidation de l'Afrique du Sud. Donc, afin de transformer les perceptions et bâtir des relations. Ils travaillent de fait avec ça. En Australie, où je suis allé 4 fois, les administrateurs d'art là se concentrent sur les communautés autochtones et les communautés immigrantes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en particulier. Ils essaient de trouver une façon de les engager, si on veut, les intéresser dans les arts et à quoi ça ressemble. Donc, le résultat de ces différents ateliers est un programme que mon partenaire et moi avons créé en Australie qui s'appelle « Croquer la grosse pomme ». Donc, au cours des dernières années, nous avons invité des administrateurs d'art de l'Australie à New York pour une visite à différentes institutions d'art qui font le travail afin qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble. C'est bien beau d'avoir quelqu'un devant vous qui vous en parle, mais lorsque c'est un cours d'immersion, si on veut, une semaine complète et on visite 30 organisations ou ce qu'on a un dialogue personnel, ça va changer la donne, ça, en Australie. Mais particulièrement avec les communautés autochtones et le respect et l'honneur aussi de non seulement de regarder la programmation, mais s'assurer comment ils sont impliqués dans le travail. Et Moscou, ça m'a mis en état de choc quand j'ai reçu un courriel, j'ai dit, Moscou, mais ils veulent quoi avec moi, là? Pourquoi là? Mais même question. Ils essaient de trouver une façon, pas nécessairement race et ethnicité, mais plutôt géographie, style de vie, économie. Comment amener ces différents éléments, de les rassembler dans une salle pour qu'ils puissent profiter des arts et se concentrent sur l'enseignement. Ils veulent que les administrateurs, les directeurs, qu'ils puissent comprendre ça. Donc, une fois, je suis allé à Sochi, qui était 2 mois avant les Olympiques, et j'étais avec un groupe de directeurs théâtrales, une quarantaine environ, qui ont dit, OK, ce soir, c'est le dernier soir on va saluer. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on était dit. Je pensais qu'on allait prendre un verre. Donc, 4 heures du matin, on était encore dehors. Une personne avait amené des saucissons, une autre personne avait du pain, une autre personne avait amené de la vodka. Alors, c'était ça. Et tous les 2 minutes, salut! Donc, salut, Donna! On boit. L'autre 2 minutes, oh, c'était pas sur scène, bois. Ça continue jusqu'à 4 heures du matin. Je pense que c'est le plus de plaisir que j'ai jamais eu. C'était juste extraordinaire. Parce que tout le monde, le cœur, tout le monde était présent dans la salle. Si on mène avec notre cœur, les arts seront là. Et c'est ce que j'ai vécu avec eux. Alors, mon point, c'est que mondialement, nous tous, comme Smith a dit au début, nous sommes tous des êtres humains. Et c'est ça. Et c'est la race que nous sommes. Et c'est ça que je vois de plus en plus dans le travail. Donc, je veux que vous continuiez à être encouragés à trouver les réponses. Parce que vous posez excellentes questions. Donc, de trouver les réponses afin qu'on puisse bâtir
pas juste des auditoires, mais l'infrastructure, parce qu'on a parlé aussi du personnel, la main-d'œuvre, et je suis d'accord. Sans le personnel qui reflète la communauté, c'est très difficile. Donc, comment développer le personnel? Donc, on développe un pipeline. Et ça mène à mon dernier point sur le mentorat, qui est critique. Chacun ou chacune d'entre vous d'avoir quelqu'un pour qui vous êtes un mentor, qui va vous remplacer. Donc, la succession, très important dans l'art. Faut pas tenir, c'est pas nécessaire de tenir la place pour 30 ans, là. Passez à autre chose. Donc, il faut rafraîchir le rôle afin qu'il y ait une nouvelle perspective, de nouvelles idées, une nouvelle expérience qui peuvent être amenées à la table. Et je suis sérieux, je pense que le mentorat est extrêmement important. Et je crois que c'est une des façons qu'on peut diversifier le domaine. La personne que vous allez, dont vous allez être le mentor ne vous ressemble pas. C'est très important. Un de mes mentors, j'en ai trois, un de mes mentors a une citation qui a dit, c'est Daisaku, et qui parle de la relation entre le mentor et le mentoré. Et c'est un peu comme le fil et l'aiguille. Le mentor est l'aiguille et le mentoré le fil. Donc, en couture, l'aiguille ouvre la voie dans le tissu, mais à la fin, elle devient inutile. Et c'est le fil qui reste et qui tient tout ensemble. Alors, on devrait vraiment penser à quoi va ressembler les 50 prochaines années. Qu'est-ce que l'orchestre va faire au cours des 100 prochaines années? Et la réponse se trouve aujourd'hui. C'est que, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour générer cet intérêt et d'accueillir de nouvelles façons de réfléchir qui soutient toujours l'intégrité du travail? On ne parle jamais de changer exactement ce qu'on fait, mais on peut certainement étudier différentes perspectives et tactiques et personnes qui peuvent nous aider. Donc, je crois que les mentors doivent être passionnés, hautement qualifiés. On doit connaître le succès afin d'encourager les autres à vouloir travailler avec nous. Ce n'est pas nécessairement une question de jeunes personnes qu'on mentore. C'est quelqu'un d'autre que peut-être n'a pas accès ou exposé aux arts. Donc, pour moi, être mentor, c'est mon objectif numéro un dans la vie. C'est qui je suis, ce que je fais. J'enseigne depuis 1993. À un certain point, j'enseignais à 5 universités différentes. Après que j'ai décidé que j'étais pour me suicider, j'ai réduit ça à 3. Donc, je suis maintenant à 2, et c'est bien. Et je crois que je pourrais pointer différentes institutions culturelles de jeunes et d'administrateurs d'art que j'ai encouragé à assumer ce défi et d'avancer, de travailler avec le travail. Donc, je vous encourage fortement de réfléchir de cette façon. Pour conclure, je voudrais dire que la diversité culturelle maintenant devrait être la pierre angulaire de tous les arts que nous présentons, de tous les aspects de ce que nous faisons. Et je crois que plus sérieusement qu'on va prendre cette idée de l'art et assumer la responsabilité de cultiver une nouvelle génération pour être ouvert et prêt à aller dans différentes communautés avec des ambassadeurs qui peuvent nous aider à ouvrir les portes. Donc, ce sont des façons qu'on peut commencer à voir vivre le succès. Et je vous encourage de déterminer à quoi ressemble le succès pour vous. Et s'il vous plaît, ne permettez pas à qui que ce soit d'autre de vous dire c'est quoi le succès pour votre orchestre. C'est à vous de le décider et vous le partager afin que tout le monde puisse soutenir cette mission. Et c'est là que nous pouvons vraiment réduire comment accomplir notre objectif. Donc, le leadership devient très critique. Et une dernière idée de M. Daisaku Ikeda, vous avez quelque chose de différent que nous vivons ici. Vous avez différents défis ici que nous vivons aux États-Unis. Je suis heureux de travailler dans les arts parce que j'aurais bien des difficultés. Mais comme M. Ikeda dit, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est une question de comment changer le paysage partout au monde. On doit réfléchir comme un citoyen mondial. Même si vous travaillez ici au Canada, votre travail peut vous amener partout au monde, soit physiquement ou votre travail, quoi. Donc, il dit, le monde dans lequel nous vivons, secoué comme il est par des changements marqués inexorables, exige de nouvelles expressions de sagesse créative. Sagesse. Il attend impatiemment, vous tous, la venue de personnes de vision et d'énergie sur lesquelles on peut compter pour construire un monde meilleur et plus magnifique. Parce que, ultimement, je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes dans les arts, c'est pour améliorer les choses. Donc, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a 5 minutes pour des questions.